Bonjour, je suis Ronald, ici pour vous jouer des mauvais tours. Oh oui. Ça va ensemble, c'est génial. Mais on vient de trouver un téléphone comme ça. Un parc. C'était un mystère positif cette fois. Oui, parce... salut. Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Elle dort, il faut vraiment pas qu'elle voie ça. J'espère qu'elle va passer une bonne nuit. Je vais la poser là en attendant. J'espère que ça va bien se passer. Bon, en attendant, je vais quitter la maison. Je peux rien là. Il y a trop de trucs bizarres qui se passent dans cet appartement. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on retourne au parc. Il faut qu'on retourne au parc. Qu'est-ce qu'il y a, Lyros d'or? Je dois partir là. J'ai prévu de faire plein de trucs. Ouais, Stéphane, il faut qu'on y aille. J'ai fait un rêve là, il faut qu'on y aille. Oh, d'accord, mais bon, rapidement alors, et tu m'expliques tout sur le chemin, j'ai pas de temps à perdre. Bon bah Lyros, allez, il faut qu'on se dépêche. Oui. Surtout fais pas trop de bruit, d'accord? Suis mes conseils, c'est très important. Mais qu'est-ce que c'est ton problème encore? Bon, allez, perds pas de temps, suis-moi, dépêche-toi. On n'a pas de temps à perdre, il faut quitter l'appartement au plus vite. Mais pourquoi il faut partir? J'ai pas pris d'affaires, je suis pas prête moi. C'est pas grave pour les affaires, viens, il commence à y avoir du vent, on va aller ailleurs. Bon bah Lyros, je dois te dire quelque chose justement, maintenant qu'on est assez éloigné de l'appartement. Okay. En fait, comment te dire, bah la poupée elle a recommencé à faire ses trucs bizarres. Quoi, sérieux? Bah oui, et du coup je sais pas comment faire, on doit partir le plus vite possible. Oui bah oui, on part alors. Ouais allez, on va dans le parc. Mais qu'est-ce qu'elle fait de bizarre, moi je comprends pas. Hier soir, bah il s'est rien passé. Oh, c'est vraiment bizarre tout ça, tout d'un coup là, elle refait ses trucs bizarres. Oui bah moi je l'explique pas, moi aussi je voulais aller dormir à 18h là, parce qu'on a passé une journée incroyable, c'était épuisant. Allez Stéphane, on s'assoit là. Oh là là. Ouais t'as raison, on va faire une petite pause. Je vais t'expliquer les 2-3 trucs qui se passent à la maison en ce moment. Enfin à la maison, à notre ancienne maison plutôt maintenant. C'était quoi ça? Mais ça vient de où? Ça vient du ciel, mais qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Bonjour, je suis Ronald, ici pour vous jouer des mauvais tours. Regarde Stéphane, c'est une tête bizarre de clown. Donne-moi ça, c'est trop bizarre, tu l'as entendu parler? Franchement, je pense que ça cache quelque chose. Bon allez, viens, on part de cet endroit, je t'expliquerai quelque chose ailleurs. La nuit dernière, quand t'étais pas là, on a entendu tellement de bruit, on a entendu des portes qui claquaient. Donc là, on va partir. Mais on a bien envie de s'en aller. Oh, regarde, il y rose. Viens. Trop bizarre. Dépêche-toi. Non, mais il se passe que des trucs bizarres dans notre vie. Regardez-moi ça. Le lac est rempli de fils rouges. Et on est les seuls. Il y a juste un chien bizarre. Mais bon, les amis, c'est pas grave. On garde toujours le sourire, tout ça. Parce que bon, en vrai, c'est des histoires rigolotes, tout ça qu'on vous fait. Mais bon, là, il faut trouver la solution. Parce qu'il se passe plein de trucs bizarres en ce moment avec la poupée, tout vrai. Ça. Et là, cette tête qu'on vient de trouver, cette tête de clown. C'est drôle, mais c'est un peu bizarre. Ouais, c'est étrange. Surtout qu'elle parle. Lily Rose, viens par là. Il y a une aire de jeu. C'est l'aire de jeu. On avait trouvé un téléphone la dernière fois, là. On devrait y aller. Oh, Stéphane, regarde. Là aussi, il y a un indice bizarre, là. Je crois que c'est le corps de la tête qu'on a vu tout à l'heure. Attends, qu'est-ce que t'as retrouvé, là? Ah ouais, c'est ça. Mais c'est trop bizarre. Quand on appuie derrière, ça fait... Ça jette de l'air. Attends, je vais prendre la tête. Peut-être que la tête a quelque chose de spécial. Alors, la tête. J'espère qu'on l'a pas perdue. Ah oui. Attends, c'est quoi ce trou derrière la tête là? Oh, attends, quand on regarde dans la tête, on voit des images. Attends, est-ce que ça colle? Oh oui! Oh, ça va ensemble, c'est génial! Ah oui, c'est vrai, quand on regarde dans la tête, on voit un parc! Bon bah là les amis, ça devient de plus en plus bizarre cette histoire de poupée. On quitte notre maison, et là, sur notre chemin, on trouve des objets comme ça qui apparaissent par magie. On sait pas comment ça peut arriver là. Donc franchement c'est étrange. Ouais. Bon allez, on va aller au parc. Oui. On dira un indice, tout veut nous mener au parc, donc on va y aller. Même si ça reste très étrange. Bon bah là le parc est bondé, il est rempli de gens. Donc bon au moins on voit des gens, c'est pas mal. Du coup on va aller ailleurs. Allez vite, dépêche-toi. On va aller à un autre parc, c'est peut-être lui. Ouais. Attends, c'est bon, tu filmes Lyros, tu filmes? Oui, attends, oui. Attends, voilà, c'est bon. Allô? C'est un numéro masqué. Je sais pas qui c'est. Bon attends, je vais répondre. Allô? Oui, comment ça? Vous avez trouvé les 4 pièces du puzzle? Qu'est-ce que ça veut dire? Lyros, il y avait juste quelqu'un avec une voix trop bizarre qui m'a dit: est-ce que vous avez trouvé les 4 pièces du puzzle? Je sais pas quoi dire là. Les 4 pièces du puzzle? C'est vraiment bizarre ça.
Mais qu'est-ce que c'est ça? Elle vient d'apparaître. La troisième pièce du puzzle. Wow. Bon là, cette histoire devient de plus en plus intéressante, les amis. Ouais. Regardez, voilà, c'est peut-être ça le puzzle du coup. Attends, regarde. Oh, vas-y. C'est des jumelles. Wow. Vas-y, regarde vers l'horizon. Wow. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Punaise, il y a un monsieur là-bas qui nous regarde, là-bas sur le toit. Ah, trop bien, c'est peut-être la suite du mystère. Wow, c'est génial. Allez, essaie d'assembler le tout. J'espère que c'est une pièce du puzzle. Oh oui. Ça marche. Ronald McDonald devient entier. Non. C'est trop étrange. Il manque les chaussures. Oh, il manque la quatrième pièce. Oui. Bon là les amis, le mystère devient de plus en plus étrange. Mais bon, ça nous fait pas du tout peur. C'est trop curieux, c'est trop intéressant à faire. Mais bon, ça réglera pas les problèmes qu'on a chez nous hein. Et t'as vraiment vu quelqu'un nous regarder au loin? Oui, là-bas, sur le toit. C'est vraiment étrange ça. Voilà, là on cherche sur le port pour voir s'il y a des gens. Si le gars qui était sur le toit là-bas, bon je pense que l'Ireuse a un peu halluciné. Non. T'as vraiment vu quelqu'un sur le toit? Oui. Regardez, il n'y a rien du tout. Oh, attends, regarde. C'est quoi ça? Iros, vite. C'est le téléphone. Vite, prends. Mais c'est un téléphone. Finaise, on l'a jamais vu celui-là. Mais on vient de trouver un téléphone comme ça. Mais c'est pas la suite ça, c'est pas possible. Non, c'est sûr, c'est pas la quatrième pièce. Ouais. Ça tombe, il va s'allumer. Non, je sais pas, il s'allume pas, il a pas l'air d'avoir de la batterie. Bon, ouais. C'est assez étrange, je le mets dans ma poche. Et je vous préviens s'il nous appelle. On va essayer de chercher la quatrième pièce. Bon bah voilà, regardez les amis où nous sommes. On est revenu devant l'église. Oui. Alors c'est une église, on a déjà eu pas mal d'histoires, de trucs bizarres qui se sont passés. Mais bon, en général c'était des trucs cool et tout. Donc ça allait. Donc on va essayer de trouver la quatrième pièce du puzzle. Mais Stéphane, qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé quelque chose? Ah oui, qu'est-ce que c'est ça? Ronald McDonald, mais c'est la quatrième pièce. C'est la quatrième pièce du puzzle. Vas-y. Oh, ça marche. Oh punaise, vite, on part d'ici. Allez, vite. Esteban, il commence à parler. T'en pose-le, on va l'écouter. Hi, je suis Ronald McDonald. Allez vous régaler dans l'endroit le plus proche. L'endroit le plus proche? Attends, reste là. On va prendre les jumelles. Alors, l'endroit le plus proche... Ah oui, c'est là-bas. Bon là, bah là, comme par hasard, il y a l'église qui sonne. Et l'endroit le plus proche, bah c'est ça, regardez. Donc c'est un truc avec plein de confiseries comme ça. Ouais. Donc je pense qu'on n'a pas le choix. On va y aller. Ça va être ici. Hein. Oui. Donc en fait, c'était un mystère positif cette fois. Oui. Parce qu'en fait, ils voulaient juste nous amener à un endroit pour manger plein de trucs bons. Ouais. Donc pour une fois, ça se termine bien. Yeah. On espère que cette petite enquête positive vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bye. Allez.